Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Dutch pour. Donc j'ai une toile de 50 par 50 cm. Pour ma base, j'ai préparé du bleu indigo. Je vais utiliser les couleurs perles d'Amsterdam. Donc avec ces peintures, il faut une base foncée. Donc j'ai pris de l'indigo pour pas faire du noir, parce que je fais tout le temps des bases noires. Je me suis dit que j'allais changer un petit peu. Donc j'ai une toile de 50 par 50. Pour ma base, j'ai préparé 160 g de peinture, 160 g de flotterol et 160 g d'eau. J'ai 480 g de base. Donc ce que je vais faire, c'est couvrir ma toile. Je vais accélérer un petit peu et je vous retrouve après. Me revoilà. N'inclinez pas votre chalumeau comme je viens de faire. Ah, j'adore moi. Je sais qu'il faut pas le faire, mais je le fais. Hein. Alors pour commencer, on a du rouge de perle. Composition. Je vais faire un carré. Donc rouge de perle. Ensuite, vert de perle. Violet de perle. Donc mes peintures, elles sont préparées avec une part de peinture, une part de flotterol et une part d'eau à peu près. Ça peut légèrement varier en fonction des couleurs. Donc là, j'ai de l'or. J'ai quand même voulu mettre une métallique pour avoir des cellules. Enfin, les perles, c'est des métalliques. Mais elles font très très peu de cellules. Donc je me suis dit qu'en ajoutant un peu d'or, j'en aurais peut-être un peu plus. On verra. Ensuite, nous avons du jaune de perle. Et pour finir, le bleu de perle. C'est la fin de la bouteille. Hop. Enlever les bulles d'air.
Et il n'y a plus qu'à souffler. Donc voilà le résultat. les perles, pas mal de cellules en fait finalement. J'en mets assez souvent dans mes Dutch et ils font pas tant de cellules que ça. Là, c'est peut-être le fait de les avoir tous combinés, il y a plus de cellules, je sais pas. Donc niveau couleur, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est blanc. j'ai mis le flash, histoire de... Bon, l'or, on voit, pas de souci. Là, on voit un peu là, violet, là, un peu le vert. Ben voilà, il n'y a pas... Tant que c'est passé, qu'on voit pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que la toile sèche. Et je vous la montrerai sèche à la fin de la vidéo et je posterai la vidéo qu'après. Comme ça, vous verrez ce que ça donne direct. Voilà, je vous retrouve dans quelques jours pour le résultat sec. Mais revoilà. honnêtement, 2 mois plus tard. deux petites choses. Ma base, j'ai pas voulu prendre du noir, j'ai pris de l'indigo, si je dis pas de bêtises. Il aurait fallu un bleu plus foncé. Donc, en fait, il aurait peut-être fallu que je prenne plutôt un bleu de Prusse ou quelque chose du genre, enfin quelque chose d'un peu plus foncé.
Bien qu'à la caméra, ça a l'air très foncé, mais en vrai, c'est pas si foncé que ça. Donc, il a bien séché. Il y a juste pour la seconde chose, puisque la première, c'était la base, donc, est pas assez foncée. J'ai un peu des espèces de. La caméra est tellement haute que je vois pas l'écran. Des espèces de petites un peu craquelures. C'est pas vraiment des craquelures, c'est, je sais pas comment dire. En fait, c'est les pigments qui rompent. Parce que j'ai utilisé que des métalliques. Et en fait, d'habitude, quand j'utilise que des métalliques, j'ajoute toujours dans mes peintures un petit peu de gack. Donc, petit conseil du jour, si vous voulez faire un Dutch qu'avec des métalliques, mettez un petit peu de gack dans vos peintures, ça aide. Parce que sinon, ça fait ce genre d'espèce de petite craquelure, je sais pas comment dire. Enfin, le gack, ça aide. Mais comme j'ai que des métalliques, j'ai quand même des belles cellules. Bon, voilà. Après, niveau couleur, j'ai allumé la lumière pour qu'on voit un peu plus, mais. En fait, je pense que j'en ai mis un peu trop, donc c'est quand même resté assez blanc sur le centre, on va dire. Je sais pas comment faire. Désolé, je vous ai mis une seconde sur pause. Je suis allé chercher un marchepied pour voir l'écran. Donc, j'avais ajouté de l'or. Bon, bah alors on le voit forcément. Là, par exemple, vous avez le perle violet, qui est super beau. Là, vous avez le vert, le bleu. Bon. Voilà, après je pense que je vais le retenter sur un fond plus foncé. Donc je pense que je vais partir sur un bleu de Prusse. Niveau perle, il y avait. Par exemple là. Il y avait du perle jaune. Donc tout ça en fait, c'est le perle jaune. Et là, c'est le doré. C'est pas du doré tout ça, c'est pas de l'or. C'est vraiment le jaune de perle. Qu'est-ce qu'il y a? Bleu, violet, vert, jaune, rouge. Le rouge, pas mal perdu. J'en ai un chouïa par là. Mais oui, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc je pense que je vais le retenter. Il y a des poils de chien. voilà. Que des perles. C'est plutôt sympa, mais je pense que sur un fond plus foncé, ce serait. Ce serait parfait, je voulais pas prendre du noir parce que je prends toujours du noir et je voulais changer un peu, mais il aurait fallu un bleu un peu plus foncé. Et comme je vous l'ai dit, un peu de gack, ça aurait pas fait de mal. Donc je vais le refaire. Je pense que je vais pas mettre tous les perles, je vais peut-être me limiter à 3. De toute façon, il n'y en a que 5, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, peut-être que 3. Je vais retenter ça. Voilà. Donc du coup, vous aurez eu la toile humide et sèche. Je vous dis à tous merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.